Rahman Rahim, bonjour tout le monde. Toujours avec l'examen national 2019, session normale. Maintenant avec l'exercice 3. Une urne contient 10 boules, 3 vertes, 6 rouges et une noire. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. Soit les événements A, obtenir 3 boules vertes, B, obtenir 3 boules de même couleur, et C, obtenir au moins 2 boules de même couleur. La première question montre que la probabilité de l'événement A égale à 1 sur 120 et la probabilité de l'événement B égale à 7 sur 40. D'abord, il faut déterminer l'univers oméga de l'expérience. Donc, on tire au hasard et simultanément, bien sûr, 3 boules parmi combien? Parmi 10. Donc, cardinal oméga égale à combien? Donc, simultanément, on tire 3 boules parmi combien? Parmi 10. Très bien. Donc, égale à combien? Égale à A, 10, 3 sur 3 factoriel. Égale à combien? Égale à 10 fois 9 fois 8 sur combien? Sur 3 fois 2 fois 1. Égale à 120. Très bien. Ou bien, sur la calcul, on a 10 shift divisé égale à combien, divisé 3 égale à 120. Très bien. Maintenant, il faut déterminer cardinal de A. A, c'est l'événement obtenir 3 boules vertes. Donc, on a 3 boules vertes. Donc, 3 parmi 3. Donc, 3 vertes. Donc, uniquement seul cas. Donc, cardinal A égale à combien? Égale à C, 3 parmi 3. 3 boules, on tire ou bien obtenir 3 boules parmi 3 boules. Donc, égale à combien? Égale à 1. Bien sûr, C, N de N égale à toujours 1. Très bien. Donc, maintenant, la probabilité de l'événement A égale à combien? Égale à cardinal de A sur cardinal oméga égale à 1 sur 120. Très bien. Maintenant, pour la probabilité de B. Donc, B, l'événement obtenir 3 boules de même couleur. C'est-à-dire, soit 3 vertes, ou bien 3 rouges, ou bien 3 noires. On remarque ici qu'on a une seule boule noire. Donc, on peut obtenir uniquement 3 vertes ou bien 3 rouges. C'est-à-dire, cardinal de l'événement B égale à combien? Égale à soit 3 boules parmi combien? Parmi 3. Ou bien, c'est-à-dire plus, 3 boules parmi combien? On a ici 6 rouges, donc parmi 6. Égale à combien? C, 3, 3, c'est 1. Et C, 3, 6, égale à combien? Égale à 20. Donc, égale à 21. Alors, probabilité de l'événement B égale à combien? C'est cardinal B sur cardinal oméga. Bien sûr, cardinal B, c'est 21. Et cardinal oméga, c'est 120. Alors, égale à combien? Si on divise par 3, c'est 7 sur 40. Très bien. Donc, c'est la réponse de la première question. Deuxième question maintenant. Il faut déterminer la probabilité de l'événement C. C, c'est obtenir au moins 2 boules de même couleur. C'est-à-dire, soit 3 vertes, ou bien les 3 rouges, ou bien 2 vertes et une non verte, c'est-à-dire V bar, ou bien
deux rouges et une non rouge. Très bien. Donc, cardinal, l'événement C égale à combien? Égale à C3 parmi 3 ou bien C3 parmi 6 ou bien 2 vertes parmi 3 et une non verte. Non verte, c'est-à-dire soit rouge, soit noir, c'est-à-dire parmi 7 plus 2 boules rouges parmi combien? Parmi 6 plus une non rouge, c'est-à-dire une parmi combien? Parmi 4. Très bien. Donc, égal à combien? C3, 3 plus C6, 3, c'est l'événement B. Donc, c'est 21. Plus C2, 3, c'est 3, fois 7, c'est 21. Bien sûr, CN, N moins 1, égale à N. Et CN1 égale à aussi N. Donc, C2, 3, C3, 2 égale à 3. Et C7, 1 égale à 7. Donc, 3 fois 7, c'est 21. Plus combien? C6, 2 égale à 15. Fois C1, 4 égale à 4. Donc, égale à combien? Égale à 102. Donc, maintenant, la probabilité de l'événement C, c'est cardinal C sur cardinal oméga. Bien sûr, cardinal C, c'est 102. Et cardinal oméga, c'est 120. Très bien. Donc, égal à combien? Égal à 17 sur 20. Très bien. Donc, soit cette méthode, ou bien on a la deuxième méthode. On va déterminer ces barres, l'événement contraire de l'événement C. Si C, c'est obtenir au moins deux boules de même couleur, alors ces barres, c'est l'événement de obtenir au plus, une boule de même couleur. C'est-à-dire une verte et une rouge et une noire. C'est-à-dire cardinal de C égale à combien? Égale à C, une parmi 3, C, une parmi 6, et C, une parmi 1. Égale à combien? 3 fois 6 fois 1, donc égale à 18. Donc, P de C bar égale à combien? C'est cardinal C bar sur cardinal oméga. Égale à 18 sur 120. Très bien. Maintenant, on va appliquer la propriété P de C égale à combien? Égale à 1 moins P de C bar. Alors, P de C égale à combien? Égale à 1 moins 18 sur 120 égale à 120 moins 18, c'est 102 sur 120. Bien sûr, égale à 17 sur 20. Très bien. Donc, j'espère que cet exercice est clair pour vous. Merci.